Donc là, on va le voir. Je suis Joël Maisonial, le cofondateur de la société Santalim. Santalim, c'est la contraction de santé et d'alimentation. C'est une société qui a été créée en 2022, après 3 années de recherche en laboratoire. Donc le projet, c'est de rendre les céréales et les légumineuses qui poussent dans nos contrées toutes proches beaucoup plus faciles à consommer. Ce procédé est novateur parce qu'il permet aujourd'hui de préparer des céréales et des légumineuses en 4-5 minutes pour le consommateur, alors qu'auparavant il faut considérer des heures de trempage et des dizaines de minutes de cuisson. Ces aliments s'adressent à toute la famille, de la personne âgée donc à la petite enfance. Et on peut les préparer soit naturels, soit accommodés, soit en plat principal, soit au contraire en mélange avec des céréales ou avec des légumes séchés. Nous, ce qu'on attend du concours Araninov, c'est de la visibilité, parce qu'en compte aujourd'hui, on démarre avec un procédé innovant sur des secteurs qui sont matures comme l'agroalimentaire. Il est toujours difficile de pénétrer ces marchés. Donc pour nous, il est évident que Araninov peut représenter de la visibilité, de la communication. Et l'objectif, c'est de faire connaître un peu plus notre marque et surtout la spécificité de nos produits. Nous avons une gamme de perles, donc, qui est une gamme de perles nature. Donc encore une fois, de légumineuses et de céréales. Et puis, nous avons des perles donc, comme celle-ci. Ici, vous avez affaire à des perles de riz au jus de betterave. Et ici, par exemple, vous avez affaire à des perles de riz au curry. Ça nous permet d'avoir des apports directement donc de protéines végétales fortes, mais également de toutes les qualités des céréales qui peuvent être donc des minéraux, des vitamines, de la fibre. D'accord, tout ça, ça nous fait des portions qui sont riches en énergie, d'accord, et qui permettent donc d'apporter au consommateur un plat équilibré qui arrive directement à compenser la protéine animale.